À l'aune de l'intelligence artificielle et du développement tout azimut des technologies de l'information et de la communication, la désinformation est devenue un phénomène préoccupant. À l'avant-garde de ce que ce fléau peut avoir des effets négatifs sur la vie en société, le gouvernement multiplie des stratégies en vue de la diffusion d'une bonne information. L'agence gabonaise de presse doit être mise au cœur de l'action. Ça veut dire qu'elle doit avoir la primeur sur l'information gouvernementale et institutionnelle. Et c'est elle qui doit la rendre disponible pour l'ensemble des médias nationaux et internationaux. Et cela doit se faire à travers un réseau de directeurs centraux de la communication. Quatre axes. Le premier, c'est celui du renforcement de l'agence gabonaise de presse, parce qu'il faut une agence de presse capable de s'aligner aux standards internationaux et de remplir correctement, de manière efficace, son rôle d'agencier, c'est-à-dire de sourcer l'information. Le deuxième axe de cette stratégie, c'est la régulation. Il faut pouvoir réguler donc les plateformes électroniques, tout ce qui permet de véhiculer l'information, avec derrière des moyens de coercition pour tous les contrevenants et les acteurs de la désinformation. Le troisième axe, c'est l'éducation à l'information. On doit éduquer la population à recevoir l'information, à faire la différence entre une opinion, un fait, à pouvoir détecter les manipulations à travers le véhicule médiatique. Donc, il y a toute cette éducation qui doit se faire. Et le dernier axe, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, notamment l'intelligence artificielle, pour faciliter le métier des journalistes et permettre également d'identifier très rapidement les fake news et aider au fact-checking. Conscient que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est essentielle dans la lutte contre la désinformation, des mécanismes de contrôle seront mis en place. Il faut que l'agence gabonaise de presse, des agences de presse, rendent l'information et même les médias rendent la bonne information disponible assez rapidement pour prendre le pas sur la désinformation. Sinon, ceux qui désinforment sont dans l'action et ceux qui ont la bonne information sont dans la réaction. C'est l'inverse qui doit se faire. C'est ceux qui ont la bonne information qui doivent la diffuser en premier et ceux qui voudront désinformer n'auront plus de place. In fine, l'ensemble de ces axes stratégiques et leurs orientations seront déclinées en actions opérationnelles avec des acteurs identifiés pour leur mise en œuvre afin de répondre efficacement à l'objectif de lutte contre la désinformation voulu par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.